Écoutez, je vais essayer de vous répondre avec les capacités que Dieu m'a données. On est bien d'accord. Hein, vous savez que, en tant que prédicateur de l'Évangile, hein, je ne revendique pas, je revendique pas de ce que je suis enseignant ou quoi que ce soit du tout. On est des ministères, nous avons des enseignants extraordinaires, mais Dieu nous a donné une capacité. Et je crois quand même que certains points de la parole de Dieu, comme celui-ci, sont des points importants quand même à savoir. Sachant que, alors on demande la différence entre là où les différences, hein, bien sûr, entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il faut savoir que la Pâque juive était, bien sûr, bien antérieure à la Pâque chrétienne. Parce que nous savons, hein, d'où vient le mot chrétien, nous savons que le mot chrétien vient du mot Christ, et nous savons que la Pâque des chrétiens, elle a commencé avec le Christ. Mais la Pâque juive, elle est complètement différente. Elle a été instituée lorsque le peuple d'Israël était en Égypte pendant de nombreuses années, environ 430 ans, et ce peuple a été sous la servitude pendant plus de 400 ans sous la servitude de l'Égypte. Hein, beaucoup connaissent les films, mais je vous invite à pouvoir lire, hein, à pouvoir lire dans l'Exode, dans la fin de la Genèse, dans l'Exode un petit peu ce qui s'est passé, exactement les choses exactes. Et à un moment donné, vous savez que Dieu envoie un libérateur, et ce libérateur, c'est Moïse, bien entendu. Voilà. Vous savez que le libérateur, c'est Moïse. Et à un moment donné, après les plaies, il va y avoir un ordre de Dieu pour la libération. Et Dieu va dire le soir en quelque sorte, le soir de la libération, juste avant le départ, il dit, vous allez prendre un agneau. Un agneau de 1 an, hein, je vais essayer de passer rapidement, sans défaut. Et puis là, vous allez le sacrifier entre deux soirs. Et si vous voulez, ça va devenir la Pâque juive, le départ, la libération. Hein, on est bien d'accord. Après, il y a tout un tas de procédés, qu'on va peut-être voir tout à l'heure avec des questions, certainement, tout un tas de procédés. Mais en réalité, la Pâque a été instaurée pour les Juifs à ce moment-là. Vous comprenez? C'était un agneau que eux prenaient, que eux portaient, que eux égorgeaient. Et après, vous savez, hein, vous savez, on en parlera tout à l'heure, le sang sur le linteau, vous allez voir tout un tas de choses, la façon de le manger. Mais la différence qu'il y a avec nous, c'est que quand Dieu a parlé aux Juifs, il leur a dit, venez chacun avec votre agneau en vous. Et si vous voulez, en quelque sorte, ceux qui ont pratiqué la Pâque, sur ordre de Dieu, ce sont les Juifs. Mais la Pâque des chrétiens, elle, eh bien, Dieu n'a pas demandé à un homme de venir avec son agneau ou de venir avec son chevreau. Dieu est lui-même le chien. Il n'existe pas en réalité d'agneau sans défaut. Le seul qui pouvait être sans défaut, c'était l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et Dieu vient avec son agneau et il va lui-même fabriquer, faire notre paix en laissant mourir Jésus sur la croix. Vous savez que la Pâque, en réalité, la Pâque, le jour de la Pâque juive, c'est pour nous les chrétiens le jour de la résurrection du Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas le jour de la mort du Christ. Le Christ est mort 3 jours avant la Pâque. Hein? On l'a crucifié avant la Pâque et c'est pour ça qu'il disait, il faut descendre le corps de la croix pour ne pas qu'il reste pour la Pâque. Et la résurrection du Christ, ce qui serait, je dis bien que selon les calendriers ou peu importe, un lundi, c'est pourquoi, d'où vient, par rapport à la tradition chrétienne, le lundi de Pâques. Voilà, j'espère avoir été un peu. Je vais essayer de condenser un peu, parce que j'ai un peu crainte que mon téléphone se mette à chauffer et qu'on ne puisse pas aller au bout de l'émission. Amen. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Je crois que la réponse a été claire, bien, mais compréhensible. Béni soit Dieu. J'aimerais te poser la deuxième question. Pour quelle raison, hein, tu en as parlé un petit peu, pour quelle raison ils ont pris un bouquet d'hysope et trempé dans le sang, et ils ont pelé les linteaux et les montants des portes? Voilà la deuxième question. D'accord. Donc, il faut savoir que la Bible, elle nous parle tout en symbole et tout en parabole afin qu'on puisse comprendre. Tout sert d'exemple. Vous voyez, quand Dieu va dire aux Juifs, prenez un agneau de 1 an mâle sans défaut, nous savons très bien que cet agneau, pour nous, en tant que chrétiens, ça nous symbolise le Christ. Vous comprenez? La Bible parle beaucoup en symbole. Et quand le Seigneur va parler, dirons-nous, quand Dieu va dire à Israël, tu prendras un bouquet d'hysope, il faut y voir à travers ça un symbole.
Un symbole, c'est lequel? C'est pas n'importe quelle fleur qui a été prise. L'hysope est une fleur qui a, tout dépend la qualité de l'hysope, elle a plusieurs couleurs. Vous en avez différentes couleurs et peut être utilisée sous plein de formes, sur le plan médical, sur le plan de la cuisine, sous tout un tas de choses. Vous comprenez? Et il faut savoir aussi qu'un jour, Salomon lui-même va parler de l'hysope. Et quand il va en parler, il va dire, hein, vous lirez ça dans la parole de Dieu, il va parler du cèdre du Liban, en quelque sorte, du plus grand et du plus majestueux. Et il dit pour terminer, jusqu'à l'hysope qui pousse dans la muraille, comme si que l'hysope serait la dernière, la plus faible, la plus frêle de toutes les plantes d'Israël, en quelque sorte, vous voyez? Et puis Dieu va dire, en quelque sorte, il va dire au peuple, tu prendras un bouquet d'hysope, ce qui va nous donner à nous un exemple. Parce que comprenez bien qu'aujourd'hui, vous pouvez aller en Israël, prendre un bouquet d'hysope, ça ne protégera pas votre maison, même si vous en mettez devant la porte de chez vous. Mais c'était un exemple que Dieu voulait donner, c'était lequel? C'est que toutes les qualités qu'on peut trouver dans l'hysope, en quelque sorte, cette plante faible qu'on peut représenter comme l'humilité, cette variété de couleurs qu'on peut représenter par l'amour. Vous comprenez? Et puis il dit pas une fleur d'hysope, il dit un bouquet, ce qui nous parle, vous voyez, le Seigneur nous parle d'unité. Donc, toutes ces qualités dans ce bouquet d'hysope, on ne peut les retrouver que dans une seule personne. On ne peut les retrouver que dans la personne du Christ. Donc, dans la réalité, ce que Dieu voulait dire, pourquoi le bouquet d'hysope trempé dans le sang, c'était le symbole de Dieu, le symbole du Christ, le symbole de l'agneau lui-même. Et il dit, pourquoi sur le linteau? Et pourquoi sur les poteaux de la maison? Eh bien, tout simplement, c'est très simple. Le Seigneur est en train de nous montrer que la seule protection qui puisse exister dans une vie, la seule protection qu'il puisse exister, c'est lorsque le bouquet d'hysope, trempé dans le sang, vienne, et je vais faire un geste avec la main, vienne se mettre sur le linteau et sur le poteau. Et quand on fait le geste avec la main, le linteau horizontal et le poteau en vertical, le bouquet d'hysope avec le sang sur le poteau et sur le linteau, ça représente que la protection d'une maison, c'est uniquement la croix de Christ. C'est uniquement la croix du calvaire. Le voilà, le bouquet d'hysope. Donc en réalité, la puissance n'était pas dans le bouquet d'hysope, mais dans tout le symbole qu'il pouvait représenter. Voilà. Gloire à Dieu pour cette magnifique image, hein, du sang, eh bien, sur les linteaux et sur le poteau des portes. C'est vrai que pour avoir, eh bien, dans une maison, pour avoir, eh bien, la protection du ciel, eh bien, il faut que la croix soit, eh bien, le centre de nos vies. Et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour ces magnifiques images dans lesquelles, eh bien, nous réjouissons ce soir, eh bien, d'entendre, eh bien, toutes ces représentations. Mais voilà comment dire, c'est important, hein, de pouvoir, eh bien, souligner tous ces points. Pour ceux qui nous ont posé ces questions, eh bien, ils puissent comprendre, eh bien, cette réalité. Parce que c'est vrai que la Pâque, c'est tellement aujourd'hui fêtée d'une différente manière que ce qu'elle était à l'origine. Donc aujourd'hui, la Pâque, nous sommes en train de fêter. Et la Pâque, ce qui est réellement, eh bien, on dirait que ce sont deux fêtes différentes, enfin, deux fêtes complètement différentes. Hein, donc on voit qu'avant, eh bien, il fallait que ça soit fêté de telle façon. Et là, aujourd'hui, on voit que, eh bien, c'est plutôt devenu, eh bien, une fête dans laquelle, eh bien, on achète 4 chocolats, on va les cacher dans les champs et on va faire, eh bien, que les enfants aillent chercher les chocolats de Pâques. Je n'ai rien contre cela, hein, donc ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que la Pâque chrétienne et la Pâque juive, eh bien, réellement, c'était deux choses bien différentes de celles que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Moi, voilà, j'ai une question de plus. Eh bien, c'est vrai qu'on a parlé aussi, eh bien, nous allons parler aussi, eh bien, du repas de la Pâque, parce que comment parler de la Pâque et ne pas passer, eh bien, et passer à côté du repas de la Pâque. Donc, je sais qu'avant même de pouvoir, eh bien, et procéder, eh bien, à ce repas, que, eh bien, par les écrits que j'ai pu lire, eh bien, ils appelaient ça le Seder. Donc, ils disaient qu'avant cela, eh bien, il y avait la fête des pains sans levain. Alors, David, la question qui se pose ce soir, c'est que représentent les pains sans levain? Voilà. Comme je dis tout à l'heure, hein, nous donnons en tant que prédicateurs, c'est-à-dire que les prédicateurs se complètent les uns les autres, et nous donnons non pas un avis, bien sûr, non pas un avis, parce que ce que nous disons doit être confirmé, appuyé par ce que dit la parole de Dieu, la Bible. Et il est certain que les pains sans levain
on te symbole assez important. Hein, je dis bien assez important. On va appeler ça le pain sans levain, le pain de la misère. Vous savez très bien qu'un pain, la logique, un pain, pourquoi on met du levain à l'intérieur? On le mélange, c'est pour ne pas qu'il soit plat, pour qu'il prenne une jolie forme. Mais pour que le pain soit prêt à cuire, il faut le pétrir avec le levain à l'intérieur et le laisser reposer. Mais là, on n'a pas le temps. Dans ce cas de figure, il y a plus de temps. Le Seigneur n'a qu'une idée maintenant. Le peuple n'a qu'un but, sortir. Être libéré de l'esclavage, de l'esclavitude de ce pharaon qui est en train de les opprimer. Dieu n'a qu'un but, vous avez assez souffert. Je veux que vous partiez vite, donc vous allez faire du pain, mais sans levain. Ça veut dire quoi? Du pain à la hâte, du pain de la précipitation, du pain rapide, du vite fait, parce qu'en réalité, ne vous attardez plus. Ne vous attardez plus. Et puis en réalité, Dieu veut dire à son peuple, en quelque sorte, que rien ne vous retienne ici. Parce que pourquoi sans levain? Est-ce que vous croyez que Dieu est contre la levure? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais en réalité, dans la parole de Dieu, le levain va nous symboliser tellement de choses. Vous savez, quelqu'un qui pétrit son pain, qui met le levain à l'intérieur, et qui le pose, et qui attend, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, là où il se trouve, eh bien, il a le temps. Donc, en réalité, ça voulait dire... Le pain sans levain, le levain voulait représenter en quelque sorte le désir de rester plus longtemps en Égypte. C'était le désir de ne pas sortir rapidement, le désir de ne pas obéir et de ne pas fuir la servitude de Pharaon, de ne pas suivre le peuple. Donc en réalité, quand le Seigneur va dire le pain sans levain, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous attardez plus. Regardez si c'était quand même assez grave, puisque dans la tradition juive, dans ces jours-là, le Seigneur va dire, vous lirez ça dans Exode, chapitre 12, si je ne me trompe pas, il dit, si il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas de levain dans vos maisons. C'est écrit au verset 15 du chapitre 12, il dit, pendant les 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et dès le premier jour, il n'y aura pas de levain. Ça veut dire qu'il n'y ait rien dans vos maisons qui vous retienne de partir d'Égypte. Et à nous, les chrétiens, ça nous parle en disant qu'il n'y ait rien dans vos maisons qui vous retienne de partir à l'enlèvement. Qu'il n'y ait rien dans vos maisons qui vous retienne ici. Absolument rien. C'est ça, les pains sans levain. En quelque sorte, c'est le pain qui dit, en quelque sorte, vas-y, mange-le, mais que rien ne te retienne pour partir. Qu'il n'y ait rien dans ce que tu manges. Qu'il n'y ait rien dans ce que le monde te donne, dans ce que la vie te donne. Qu'il n'y ait rien qui te retienne ici et qui t'empêche de partir. Voilà, j'espère, les frères, avec le peu que je peux vous dire, hein, selon mes capacités, ça puisse vous convenir. Béni soit Dieu. Je trouve que c'est parfait. Béni soit Dieu. C'est vrai que rien ne nous retient. Jésus vient nous chercher bientôt. Gloire au Seigneur. Et la prochaine question, elle va suivre ce que tu es en train de dire. Je vais te poser la question. Pourquoi manger les ricins, les souliers aux pieds et un bâton dans la main? Amen. Voilà. Donc, de toute façon, c'était obligatoirement la question qui devait suivre, puisqu'en réalité, on va voir comment manger la Pâque. Hein, vous savez que dans la réalité, je dis bien dans la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, nous, en quelque sorte, nous célébrons la Pâque tous les dimanches. Nous nous rappelons de la mort et de la résurrection du Christ. Elle est là, la véritable Pâque, vous voyez? La vraie Pâque est là. Et pour mettre la main à l'agneau, je parle en symbole, pour pouvoir se délecter de l'agneau, eh bien, il y a une façon de le manger. Il y a une façon de pouvoir s'en nourrir. Je voudrais prendre un tout petit peu plus de temps sur ce thème-là. Excusez-moi, parce que je reçois un appel en même temps, désolé. Donc, il va dire, pourquoi les reins saignent? Pourquoi les souliers aux pieds? Et pourquoi le bâton à la main, ça se trouve dans Exode chapitre 12, verset 11, vous voyez. Et donc, comme je dis, c'est une ordonnance de Dieu. Et les reins saints, vous savez que, qu'est-ce que ça voulait dire avoir les reins saints? C'est tout simplement s'attacher au niveau de la ceinture. C'était avoir un lien autour de la ceinture, et puis tout simplement un lien qui retient le vêtement pour le serrer. C'était ça. Les reins saints, ça veut dire habillé. Et le mot rein, dans le mot grec, ça veut dire néphros. Et le mot néphros, c'est traduit par les pensées les plus secrètes de l'homme. Je vous ai parlé que la Bible, elle ne parle qu'en
qu'un symbole. Est-ce que vous croyez que Dieu, ça lui faisait quelque chose, que quelqu'un n'ait pas les reins saints? Non, Dieu va donner cet exemple, mangez-le comme ça, bien sûr pour qu'eux obéissent, mais pour pouvoir nous parler aujourd'hui à nous dans les générations, qui aujourd'hui, nous ne prenons pas la Pâque avec des herbes amères, avec les reins saints, avec un bâton à la main et des souliers aux pieds, mais aujourd'hui la Pâque, nous la vivons d'une autre façon, mais avec exactement les mêmes symboles. Les reins saints, je vous ai dit, les reins nous représentent les pensées les plus secrètes de l'homme. C'est la personnalité, c'est le fond de ta vérité. Et en réalité, celui qui participe au repas de la Pâque, sur le plan chrétien, sur le plan spirituel, qui nous parle aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement pour montrer que nos pensées les plus secrètes, notre vérité la plus profonde, notre néphros à nous, est lié par Dieu, et il n'y a plus rien, je veux dire, il n'y a plus rien de secret, il n'y a plus rien de caché, parce qu'il est venu, lui-même nous faire de nous, si je peux appeler comme ça, des prisonniers de Jésus-Christ, dans lequel il n'y a plus rien de dissimulé, et c'est de cette façon que nous consommons l'agneau. On a vu déjà pour les reins saints. Maintenant, on va un peu plus loin. Les souliers aux pieds. Hein, j'ai noté certaines choses. Vous savez très bien que la tradition juive, c'est lorsqu'on rentre dans une maison, c'est de, logiquement, laisser les chaussures dehors et on se lave les pieds quand on rentre à l'intérieur. Normalement, c'était comme ça. Et bien sûr, je dis bien sûr, vous savez aussi, c'est une tradition chez les Juifs aussi, lorsque le sacrificateur servait dans le temple, il ne rentrait pas avec des souliers. Il servait à l'intérieur pieds nus. C'était une façon de servir. De la même façon que lorsque Moïse veut s'approcher de Dieu avec ses chaussures, avec ses souliers, avec ses sandales, peu importe, eh bien, Dieu ne va pas permettre. Pourquoi? Parce que s'enlever les souliers, c'était le symbole de rentrer dans un lieu et d'y rester. S'enlever les souliers, c'était en quelque sorte comme un symbole de confort. Je rentre dans la maison, je me déchausse. En général, pour sortir, on se chausse et on s'en va. Eh bien, là, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, c'est le contraire. Il dit, tu es dans la maison, mais mets tes souliers aux pieds. Pourquoi? Parce que tu vas t'en aller, parce que tu vas partir. Parce que tu vas partir. Tu as les reins saints, tu es attaché à moi. Donc, même que tu es dans la maison, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Tu ne perds pas, même pas une seconde pour te chausser. Quand je te dis de partir, tu es déjà chaussé et tu pars. Donc, les reins saints, les souliers aux pieds et ensuite le bâton à la main. Vous savez, quand on voit quelqu'un avec un bâton à la main, c'est quelqu'un, vous dites, celui-là, il part marcher. Ça paraît logique, hein, je dis bien, ouais, on ne va pas dans d'autres extravagances de pensée. C'est quelqu'un qui part marcher souvent. Nous avons l'habitude de marcher parfois, parfois pour aller prier, ou parfois. Eh bien, très souvent, vous verrez beaucoup de chrétiens et de pasteurs. Ils partent marcher, ils ont un bâton à la main, comme pour un soutien. Comme pour un compagnon, comme pour un départ, comme pour un défenseur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce bâton ne nous symbolise pas que ça. Dans la parole de Dieu, les bergers avaient un bâton qui leur était fidèle. Ils dormaient avec leur bâton. Ils vivaient. Il y en avait même qui se faisaient des dessins dessus. C'était leur bâton à eux. C'était leur bâton, le bâton du berger. Et il y a même un texte dans la parole de Dieu qui me dit que Jacob, vous lirez ça dans la Genèse. Jacob, ou dans, non, je crois que c'est dans la Genèse ou dans les Hébreux, peu importe, c'est dans la Bible, c'est sûr. Eh bien, Jacob adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Et là, dans l'occurrence, ce bâton, qu'est-ce qu'il nous représente? Eh bien, ce bâton nous représente, il est le témoin de toutes les nuits que Jacob a passées. Il est le témoin, il peut témoigner des nuits, des journées, des soirées, des moments, des difficultés et des joies que Jacob a passées. Il dormait avec lui, il le défendait, il l'avait matin et soir, il s'en servait, il était avec lui 365 jours et 365 nuits par an. Il l'avait avec lui. Donc c'était le bâton du témoignage. Donc en réalité, Dieu nous demande de consommer l'agneau, mais il y a une façon de le consommer. C'est les reins saints, les pensées secrètes les plus cachées, d'ici, n'ont plus rien de dissimulé devant lui, liés à lui. Les souliers aux pieds, prêts à partir. Mais on part et on consomme l'agneau uniquement que s'il y a le témoignage, que s'il y a un témoignage pour pouvoir consommer l'agneau. Donc, vous voyez, ce sont des choses que Dieu va donner aux Juifs, mais en réalité qui nous parlent à nous. Peut-être 4000 ans, 4500 ans plus tard, qui nous parlent à nous ce soir en disant, tu veux consommer l'agneau? C'est pas simplement un œuf, la Pâque.
c'est pas un œuf en chocolat, hein, un œuf en chocolat qui a été ils ont commencé à les mettre dans les années 1830, ça n'existait pas avant. Mais c'est pas ça, c'est pas un lapin, c'est pas non, c'est pas une cloche. C'est une consommation, l'agneau. Et il y a une façon de le consommer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les ringsignes, les souliers aux pieds et le bâton du témoignage à la main. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, David. C'est vrai que c'est important de souligner tous ces points, mon frère, parce que c'est une réalité. Comme tu dis, il y a peut-être bien plus de 4000 ans en arrière, et bien Dieu avait donné des consignes et bien aux Israélites qui devaient sortir du peuple d'Égypte. Mais c'est vrai que ça nous parle aussi aujourd'hui à nous, en parallèle et bien avec la Sainte-Seine, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'approcher de la table de la Sainte-Seine bien sans aucune condition. Il faut, avant, comme on dit souvent, et bien, avant la Sainte-Seine, eh bien, il faut se mettre en condition. Et après la Sainte-Seine, eh bien, ce sont les conséquences. Donc, vaut mieux bien se mettre bien en règle avant de pouvoir eh bien, y participer aussi eh bien, à ce repas qui est eh bien aujourd'hui, eh bien, comme on le dit souvent, Christ est notre Pâque. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour souligner tous ces points. Hein, donc, ce n'est pas une question qu'on va poser, mais c'est vrai que certains se posent des questions que représentent les herbes amères. Donc, avant de passer à l'autre question, David, j'aimerais bien aussi que tu puisses souligner ce point sur les herbes amères. Hein, on n'avait pas noté cela, mais ça me vient à l'esprit pendant qu'on est en train de te poser les questions. Donc, si tu peux aussi eh bien, éclairer sur les herbes amères, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être eh bien qu'il y en a qui se posent encore la question. Donc, je pense que ce serait bien aussi de le souligner avant que nous puissions eh bien entamer une nouvelle question, mon frère. Amen. Écoutez, pendant que tu me parlais, mon frère, sur les herbes amères, il y a une pensée qui est venue à mon esprit. Un jour, le peuple d'Israël est allé, si je ne me trompe pas, aux eaux de Mara. Et ils étaient sortis d'Égypte, bien sûr. Et lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, ils ont voulu boire les eaux de Mara. Et lorsqu'ils ont bu ces eaux, la parole de Dieu me dit que les eaux étaient amères. Donc, qui dit amer dit imbuvable. Vous comprenez? Ça veut dire, on ne peut pas le boire. Quand c'est amer, c'est dégoûtant, c'est une horreur. On ne peut pas le boire. Mais il s'est passé quelque chose. Dans cette eau, Dieu a dit, mettez ce morceau de bois à l'intérieur. Et lorsque le morceau de bois est tombé dans l'eau, la parole de Dieu me dit que l'eau est devenue douce et buvable. Donc en réalité, je vais venir aux herbes amères après, mon frère, tu vas voir. Donc en réalité, je vous ai dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vous dis que Dieu nous parle en symbole, Dieu nous parle en image, Dieu nous parle en parabole afin que nous puissions comprendre. Nous savons très bien qu'il y a des choses dans la vie qui sont très difficiles à avaler. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avaler, que nous ne pouvons pas avoir. Et les eaux de Marat, ça nous représente un petit peu les épreuves de la vie qui sont très difficiles à avaler. Très difficile, ça ne passe pas. Mais à un moment donné, la parole de Dieu va dire, mettez un bois à l'intérieur qui nous représente la croix, qui nous représente en quelque sorte notre Pâque à nous. Vous comprenez? Et ce bois va adoucir, ça veut dire que ce n'est pas que l'amertume est partie complètement, ce n'est pas simplement ça. C'est qu'aujourd'hui, avec le bois, on peut la boire. Elle peut passer. Vous avez compris? Le bois a pris l'amertume. Et c'est exactement la même chose qui va se passer avec les herbes amères de l'agneau. Si les herbes amères sont mangées toutes seules, elles ne peuvent pas passer. Parce qu'il y a des choses de la vie qu'on ne pourra jamais avaler. Il y a des choses de la vie que nous ne pourrons pas, que nous ne comprendrons pas, ne passeront pas dans nos vies. Donc les herbes amères, elles ne se mangent pas seules. Le Seigneur est en train de te dire, les herbes amères, tu vas les manger, mais avec l'agneau qui est doux, avec l'agneau qui est tendre. Et avec ça, le goût des herbes amères, tu l'auras moins. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau qui va atténuer les herbes amères. Et le symbole que ça veut nous donner à nous, ça veut dire que dans la vie, il y en a des herbes amères dans la vie. Mais en réalité, celui qui a rencontré l'agneau, les herbes amères, eh bien, c'est l'agneau qui en a pris l'amertume et il en a changé le goût. Que Dieu soit loué, il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit, il prit un livre, il le mangea, et dans la bouche, il était, à un moment donné, il était doux, mais après, il devient amer. Et bien, c'est un petit peu ça. L'agneau va prendre l'amertume, et sur la croix, Jésus a pris l'amertume du monde, pour que lorsqu'il le rencontre à lui, bien sûr que des herbes amères, il y en a, mais en réalité, elles passent différemment quand elles sont prises avec l'agneau. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Quelle réalité!
et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que Dieu soit béni pour ce sacrifice parfait de notre Sauveur, de notre agneau à nous. Tu sais, David, j'étais en train d'étudier la dernière fois eh bien, un petit peu la Pâque, tu sais, parce que dimanche dernier, par la grâce de Dieu, j'ai pu eh bien, faire le culte sur la Pâque. Et c'est vrai qu'il y a tellement à dire sur la Pâque. Il y a tellement de choses, c'est extraordinaire. Et honnêtement, c'est un des sujets, eh bien que pour moi, je parle bien sûr spécialement pour moi, parce qu'après, chacun a ses sujets favoris dans la Bible. Et moi, ce sujet-là, entre l'enlèvement d'Église, la Pâque, c'est ces éléments-là eh bien, que je me réjouis d'étudier et de chercher dans ces thèmes-là. Et en réalité, c'est tellement vaste qu'il y aurait tellement à dire et que je pense que dans une soirée, ça ne suffirait pas. Et une étude sur la Pâque, il faudrait qu'on démarre, je crois, du 1er avril jusqu'au 30 avril pour essayer d'énumérer toute la Pâque. Mais je bénis Dieu pour notre agneau. Et je te disais ça, on partage ensemble, mon frère, on partage les frères ensemble ce soir. Et quand je étudiais ça, eh bien, et que je regardais bien réellement, et j'étais en train d'étudier cela, et pendant que Abraham était en train de sacrifier son fils, et bien sûr, c'est dans la pensée spirituelle, les frères. Et là, il voulait sacrifier son fils, et là, tout d'un coup, il va dire, alors, j'ai appris ça, je ne sais pas si c'est fiable à 100%, mais je donne ce qu'on m'a dit, ce que j'ai appris. Et dans le monde où il devait bien sacrifier son fils, à côté, eh bien, il y avait le mont Golgotha à côté. Hein, c'était une chaîne de montagne, et si ma mémoire est bonne, je crois que c'était le mont Morija. Hein, les frères, si c'est ça, je pense que c'est ça. Et c'était une chaîne de montagne, et à côté, il y avait le mont Golgotha. Et alors là, quand il vient, il va donner son fils Isaac, quand il s'apprête à le donner en sacrifice, alors quand l'Éternel va arrêter la main d'Abraham, il va dire, eh bien, déjà premièrement, il va dire comme cela, eh bien, que l'Éternel pourvoira pour le sacrifice. Et là, eh bien, bien sûr, quand il va pour donner son fils en sacrifice, les frères, eh bien là, quand l'Éternel va l'arrêter, et là, il va voir eh bien, ce bélier pris eh bien, dans ce buisson. Et là, on va voir que Dieu avait pourvu pour lui à un sacrifice au lieu de donner la vie de son fils. Il avait pourvu cet agneau. Alors, eh bien, dans une étude, selon une étude que j'étais en train d'étudier la dernière fois, ils disent eh bien, que eh bien, autour de Bethléem, il y avait un endroit dans lequel eh bien, il y avait un élevage d'agneaux, dans lequel ces agneaux-là étaient destinés à être menés eh bien, en sacrifice. Alors je bénis Dieu, parce que Jésus a voulu se représenter à ces agneaux. Il avait voulu eh bien, se représenter à cet élevage-là d'agneaux qu'il y avait. Donc c'était des agneaux destinés à un sacrifice. Et Jésus est né à côté de ces agneaux-là, étant lui le sacrifice parfait, étant l'agneau de Dieu dont l'Éternel avait pourvu pour chacun d'entre nous. Et béni soit Dieu eh bien, pour cet agneau dans lequel, eh bien, par la grâce de Dieu, nous devons fêter Pâques tous les jours de notre vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, comment ne pas conclure eh bien, dans ces questions, David ? Eh bien, nous voyons eh bien, la Pâque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec les uns chocolat, eh bien, tout ce système dans lequel nous sommes en train de passer. Attention, je me répète encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas ça, mais voilà. Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement. Comment cette fête-là, comment cette Pâque-là est venue ? Comment cette Pâque-là s'est créée ? Comment cette Pâque, en fait, je ne sais pas si tu me comprends de la manière que je voudrais te l'expliquer. Je vais essayer de parler un petit peu avec les éléments hein, que j'ai recherché un petit peu. Il faut savoir que, bibliquement, hein, ce que tu veux savoir, c'est simplement savoir comment plus ou moins a pu débuter cette Pâque avec les œufs en chocolat, tout ça, c'est ça ? Voilà. Donc, en réalité, il faut savoir que bibliquement, selon la parole de Dieu, il n'a jamais été question de manger un œuf en chocolat ou un œuf quelconque. Hein, la tradition de l'œuf en chocolat, c'est une tradition païenne. C'est une tradition païenne dans laquelle bien sûr, hein, il faut bien savoir que tous ceux qui se proclament de Jésus-Christ ne le sont pas forcément. En réalité, il n'y a que ceux qui consomment la Pâque selon la Bible. Tout simplement, il n'y a pas d'appellation particulière, mais je dis bien qu'il n'y a que ceux qui consomment la Pâque selon la Bible, on est bien d'accord. Et il faut savoir qu'il y avait avant la Pâque, logiquement avant la Pâque, il y avait un jeûne de 40 jours.
Normalement, il y avait un jeûne de 40 jours et ce jeûne se terminait à la carême, normalement. Voyez, il faut voir que les symboles qu'ont pris les hommes pour la Pâque, comme l'œuf, comme le lapin, comme la cloche, ce ne sont pas des symboles au hasard. Ce ne sont pas des symboles quelconques. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un texte de la parole de Dieu qui dit que Dieu a fait les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. Et l'homme aime bien mettre un petit peu, si je pourrais dire, un peu sa signature. Dans tout ce que Dieu va dire, il va vouloir en faire un peu. Si, sans m'écarter trop du sujet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, quand notre Pâques a commencé avec Dieu, dans notre conversion, le premier mot qui est venu nous dire, surtout, ne fais rien, surtout, ne rajoute rien, c'est le mot grâce. Pourquoi? Ça veut dire cadeau immérité. Ça veut dire que ce que tu as eu, tu n'as rien besoin de rajouter. Tu n'as rien besoin de faire. Si Dieu va parler d'herbe amère, par exemple, si Dieu va parler de souliers aux pieds, de bâtons à la main, si Dieu va parler de ringsin, et si Dieu va parler d'hysope, de sang et d'agneau, pourquoi en plus les hommes vont rajouter? Donc en réalité, à un moment donné, les hommes vont mettre comme tradition, parce qu'il faut savoir que, si je peux me permettre, hein, je n'ai rien contre l'Église catholique ou quoi que ce soit, moi j'honore ceux qui croient et qui marchent en Jésus-Christ selon la Bible, quelle que soit la dénomination qu'ils puissent avoir. L'important, c'est de pratiquer ce qui est écrit dans ce livre. C'est ce qui compte. Lorsqu'on est conforme à ce qui est écrit dans ce livre, eh bien, nous pouvons professer une vraie Pâque. Eh bien, à un moment donné, les hommes vont, je dis bien, pendant ce jour de ces 40 jours de jeûne, il faut bien savoir que les poules, elles vont continuer à pondre. Donc les hommes vont prendre des œufs et puis ils n'ont pas le droit de les manger, ils jeûnent. Donc ils vont commencer à se les offrir et se les donner les uns les autres. Et tout d'un coup, vont certainement leur venir cet œuf-là qui nous représente quoi? Et ils ne mettent pas n'importe quoi, ça représente la naissance, la vie, la simplicité. Hein, c'est quelque chose de tellement simple qui contient la vie. Donc ils vont le prendre ça comme un symbole de vie. Vous comprenez? Et ensuite, ils vont prendre, si je peux me permettre, hein, le lapin, ils n'étaient pas en chocolat à cette époque, puisque le chocolat est arrivé au XVIIIe siècle après. Le chocolat est arrivé bien après, c'est arrivé 1800 ans après la naissance du Christ. Donc tout ça, ça va être des symboles, les œufs. Et puis au XVIIIe siècle, à un moment donné, arrive le chocolat à l'intérieur. Il y a un homme qui a l'intelligence, dirons-nous, de mettre à l'intérieur des œufs du chocolat. C'est comme ça que c'est arrivé, hein, et c'est arrivé réellement ça en 1830. C'est devenu une tradition uniquement que pour le commerce. Donc en réalité, je ne suis pas là pour vous dire ne mangez pas des œufs en chocolat, puisque moi j'en achète à mes enfants, j'en mange. Mais il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de biblique, il n'y a rien de, en quelque sorte, de ce qui est écrit. Il n'y a pas d'ordonnance divine. Les seules ordonnances que Dieu nous a données, écoutez bien, le Seigneur dans la nuit, il fut livré, il prit du pain. Et il le donna à ses disciples, et ensuite il prit la coupe, et il la distribua, il dit « Faites ceci, il dit, en mémoire de moi. » Et toutes les fois que vous mangez de ce pain, vous annoncez, elle est là la Pâque, la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'au retour. Donc en réalité, tout ce qui tourne autour des chocolats, des œufs, des cloches, tout ce qui tourne autour des lapins, tout ce qui tourne autour de tout ça, c'est des choses que les hommes ont créées au fur et à mesure du temps, qui est devenu plus un commerce que quelque chose de religieux. Voilà. Je vous parle un petit peu comme je sais, je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est une tradition qui est catholique et orthodoxe. Voilà. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci à Dieu de toutes ces réponses. Hein. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris le pouvoir, les œufs et le chocolat. Parce que les gens ne se rendent même plus compte de ce que c'est que la Pâque. Ils ne voyaient plus que les chocolats, les œufs en chocolat. Et je laisse la place à Antonio. Voilà, on a des petits soucis de démutage. J'appuie en même temps que Netty, ça ne peut pas le faire. Donc, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Moi, je me suis réjoui de cette émission de ce soir et notamment, je dis la vérité, David, la question de comment a débuté cette Pâque était très importante.
Parce qu'il se devait qu'on la touche, eh bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et c'est une réalité, parce qu'on est obligé de souligner que la PAC, la réelle PAC, l'institution de la PAC juive, donc après, entre cette Pâque juive et la Pâque chrétienne, on va dire le Christ, notre Pâque, qu'est-ce qu'elle a à voir? Eh bien, cette Pâque que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on oublie même l'institution même de la Pâque. Alors, c'est vrai, comme tu dis, moi aussi, j'achète des chocolats à mes enfants. Donc, je ne dis pas que c'est méchant d'acheter des chocolats à ses enfants. Moi, pour moi, oui, c'est méchant, je suis diabétique, il faudrait que j'en mange moins. Mais j'arrive pas à me retenir. Mais bien sûr, je plaisante. Bien sûr que je ne dis pas que c'est méchant, mais c'est très important de se rappeler. Parce que aussi Pâques, c'était aussi la libération du peuple d'Israël de la servitude, de l'esclavage. Et on est obligé de souligner ce point. Et Christ, c'est notre Pâques. Christ, c'est notre libérateur de la dureté, de l'esclavage, du péché, de notre vie passée, de l'amertume que nous avons pu eh bien, vivre, que nous pourrons représenter ce soir comme ces herbes amères, se rappeler eh bien, de toute cette chose mauvaise qu'il y avait en nous, et merci Christ pour aujourd'hui eh bien, demeurer en nous et d'avoir fait de nous eh bien, cette Pâque en nous pour que nous puissions eh bien, la célébrer tous les jours en réalité, bien plus que simplement un seul jour dans l'année. Et je bénis Dieu pour ce soir. Donc David, moi je suis content de tout ce qui a été débattu, mais mon frère, Je te promets, je ne suis pas pressé de déconnecter. Et je pense que Christophe non plus. Et je pense que les frères et sœurs qui sont en train de nous écouter en direct depuis Facebook ou depuis YouTube, eux aussi ne sont pas pressés de nous quitter ce soir. Donc, si tu as d'autres choses à nous donner de cette Pâque, alors pour nous donner plus plein de Jésus, tout simplement pour mieux le connaître, pour pouvoir mieux le servir. Alors, mon frère, honnêtement, on n'est pas pressé. Prends le temps qu'il te faut. Si tu as encore deux ou trois trucs que tu voudrais eh bien parler ce soir, prends la liberté, mon frère, de pouvoir nous en parler. Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. De toute façon, qu'on parle du Christ, hein, s'il y a bien quelque chose que j'aime, moi aussi j'aime le chocolat. Hein, et je n'ai pas de diabète, mon frère. Mais s'il y a une chose que j'aime particulièrement, c'est parler du Christ. Pourquoi parler du Christ? Parce qu'en réalité, c'est la seule chose qui est vraie. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire, que nous puissions toucher, que nous puissions palper, qui soit vrai. Tout ce que nous pouvons vivre, ce sont des choses qui sont, comme dira les Ecclésiastes, qui ne sont que fumée, qui ne sont que vanité. Donc en réalité, quand on parle de la Pâque, c'est toute une vie avec Dieu, la Pâque. Vous comprenez, la Pâque, elle a un commencement pour nous, mais elle n'a pas de fin. Mais la tradition, elle, eh bien, elle se répète que, admettons, un jour ou trois jours dans l'année. Mais la véritable Pâque, celle que nous vivons tous les jours, c'est celle où c'est que nous avons compris qu'un jour, l'agneau, c'était Jésus. C'est celle où nous avons compris qu'un jour, c'était celui qui est monté à la croix. Je me permets de dire quelques mots, mon frère, j'aime parler du Christ. Il est monté sur la croix volontairement, elle est là, la vraie Pâque. Ce n'est pas simplement une tradition, ce n'est pas simplement un moment, ce n'est pas juste quelques heures. La Pâque, c'est Jésus qui monte sur la croix, qui vient mourir pour moi. La croix, c'est moi, la Pâque, c'est moi qui suis en train de me repentir, et il prend ma condamnation, il vient la clouer à la croix, et il vient mourir là, sur cette croix, avec cette condamnation, et trois jours après, il ressuscite. Vous comprenez? Et là, pour moi, la Pâque, elle ne s'arrête pas, elle a commencé, et elle ne s'arrête plus, elle continue tous les jours, et je la célèbre avec lui. Vous comprenez? Je la célèbre avec lui. Alors là, oui, là, je peux comprendre. Alors, tu vas dire, pourquoi le symbole des œufs? Eh bien là, le symbole des œufs, moi là, je le vis tous les jours. Tu veux dire pourquoi? Je sais que ça fait sourire ce que je vais dire. Eh bien quoi? C'est quoi? C'est le symbole de la vie. Il y a la vie. Donc, en réalité, pourquoi le symbole de l'œuf? C'est un exemple que je donne. C'est humain, mais je prends le symbole de l'œuf. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'œuf, il y a la vie. Mais si la vie reste dans cet état-là, elle ne sert à rien. Elle reste dans une coquille. Vous comprenez? Parce que imaginez-vous, vous avez un œuf avec le petit poussin à l'intérieur. Je prends des exemples bien simples pour qu'on comprenne. Et admettons que la maman lui parle au petit poussin et lui dit « Si tu savais quel ciel bleu il y a dehors, si tu pouvais découvrir combien l'herbe est verte à l'extérieur,
Si tu verrais comment les arbres sont merveilleux, si tu verrais le parfum du printemps, si tu verrais la neige, comment elle est merveilleuse, tu verrais tout ça. Et bien le petit dans l'œuf, il va te dire, je suis vivant, mais tout ce que tu me dis, je ne peux pas le voir. Vous avez compris? Tant qu'il reste à l'intérieur. Mais il faut que cette carapace-là, elle se casse. Pour que, s'il dit la vie, elle est comme ça. Ça, c'est celui qui n'a pas commencé en Pâques. Il y a la vie. Mais dès que le petit va commencer à faire un effort pour casser, pour simplement croire que celui qui lui parle derrière la coquille, eh bien, c'est vrai ce qu'il lui dit. Vous comprenez? Si c'est vrai, il existe une autre vie que celle que tu vis. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça, parce que comme ça, tu ne vivras pas longtemps. Et si le petit, il le croit, eh bien, au bout d'un moment, il va se mettre à frapper contre la carapace. Il va percer. Et ensuite, on n'aura plus besoin de lui dire que le ciel est bleu. Après, on n'aura plus besoin de lui dire que la neige est blanche. On n'aura plus besoin de lui parler du parfum du printemps. Il va se mettre à vivre là-dedans. Et c'est ça, la Pâque, pour nous. La Pâque, c'est quoi? C'est, eh bien, j'avais une carapace. Le monde était, en quelque sorte, comme un œuf pour moi. J'étais à l'intérieur. Et je vivais dans cet endroit sombre, vivant. Mais sombre, mais une voix de l'extérieur est venue me parler. Ma Pâque m'a parlé, l'agneau m'a parlé. Et il m'a dit, il existe une autre vie que celle que tu es en train de vivre, mais la carapace doit se rompre. Et là, elle s'est rompue. Et aujourd'hui, je célèbre avec lui la Pâque tous les jours. Je célèbre avec lui la Pâque à chaque moment, à chaque instant. Et cette Pâque-là, Dieu veut que vous qui êtes en train de m'écouter, il veut que vous la célébriez avec nous, que vous la célébriez avec lui, que Dieu soit loué. Oui, j'affirme, je ne peux pas me permettre de parler dans cette émission sans dire, Jésus est la vérité et il est celui qui change les vies encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni parce que ce qui a brisé, eh bien, notre carapace, notre coquille, c'était la croix qui s'est plantée dans nos vies. Et que Dieu soit béni pour ces paroles. Que Dieu te bénisse, mon frère. Vraiment, je me suis réjoui à travers, eh bien, de cette émission. Christophe, mon frère, tu t'es réjoui aussi, je le crois de tout mon cœur. Amen, béni soit Dieu. Je le dis en vérité, ça a été une bénédiction. Je me suis réjoui d'écouter. Quelle merveille. Et le dernier exemple est très beau sur la coquille, sur l'œuf. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu de ces moments que nous passons. Et je le crois que ces émissions sont bénies de Dieu. Parce que ça édifie beaucoup de monde. Et je le crois qu'il faut continuer dans ce sens. Hein? Dieu soit béni. Merci à tous qui ont écouté. Merci au frère David. Que Dieu soit glorifié de ces bons moments. Et je te laisse la place, Antonio. Et gloire à Dieu. Moi, David, bien, simplement, quoi te dire, mon frère, qu'on te réinvitera très prochainement avec un autre thème, avec un autre sujet. Et pourquoi pas, mon frère, puisqu'on est des frères. Hein, donc, cette émission est la tienne aussi. Hein, donc, mon frère, pourquoi pas? Quand tu voudras, toi, nous dire, eh bien, nous appeler, à moi ou à Christophe, à Kinkelatou, nous envoyer un petit message. Voilà, mon frère, je vais vous apporter ce sujet-là, programmer un jour et pourquoi pas apporter, eh bien, un thème, un autre, que tu auras à cœur. On te laisse dans la liberté et nous, on t'appellera assez rapidement parce que je crois de tout mon cœur que ces émissions, comme il dit mon frère Christophe, est bénéfique pour tout le monde. Donc, nous avons eu à cœur de faire cela, ça a fait à peu près 2 mois. C'est la 3e émission. Je comprends pourquoi on a eu des empêchements samedi dernier pour pouvoir faire cette émission. Parce que le diable ne veut pas entendre que la croix est une puissance libératrice pour quiconque croit. Que c'est une puissance salvatrice pour quiconque croit en Dieu. Alors, je le crois de tout mon cœur que cette émission est entre les mains du Saint-Esprit. David, on te remercie de tout mon cœur. Je te laisse la place, si tu veux, eh bien, dire bonsoir aux frères et aux sœurs qui sont en train de nous écouter en direct. Je te laisse encore la place, mon frère. Que Dieu te bénisse pleinement. Eh bien, je remercie. Hein, je vous remercie à tous. Je remercie les pasteurs. Je remercie tous ceux que je ne vois pas. Hein, moi, je vois les 2 pasteurs ici, mais je vous remercie à tous d'écouter. Vous savez, je dis encore ce petit mot, si je peux me permettre. J'ai compris il n'y a pas si longtemps pourquoi Dieu a utilisé la parole. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle, nous, moi, je n'en vois que 2. Mais pourtant, il y en a des milliers qui m'entendent, ou des centaines, ou des dizaines, peu importe. Ça veut dire qu'en réalité, vous savez, quand on parle dans un endroit, et si quelqu'un est caché derrière un arbre ou derrière une voiture, vous ne pouvez pas le voir, mais la parole va le chercher là où il se trouve. Il a beau se dissimuler où qu'il soit. Là où mes yeux ne pourront pas le voir, la parole ira le chercher. Et c'est pourquoi Dieu se sert de la parole, pour aller chercher le pécheur, quel que soit le lieu dans lequel le péché l'a fait tomber. Que Dieu vous bénisse, et ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et si Dieu le permet, je vous dis peut-être à une autre fois. Soyez vraiment bénis.
peux avoir la parole? 2 minutes. David, je te propose encore mieux. De venir chez nous et de faire l'émission ensemble. On te prend un hôtel avec ta compagne et on se fait l'émission ensemble avec Antonio et on te pose des questions en direct comme ça. Et en même temps, tu pourrais nous faire une émission dans l'église à Cavaillon et l'église à Avignon. Que Dieu soit béni. Ce serait pas mal de prendre une date et faire comme ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Béni soit Dieu, moi je suis d'accord avec Christophe, il n'y a pas de souci pour moi. Donc on le voit un jour ensemble pour qu'on puisse bien programmer ce jour-là. Alors tu feras samedi l'émission en direct et le dimanche tu auras deux cultes, un le matin à Avignon et un le soir à Cavaillon. On te prend l'hôtel, on mangera ensemble, on passera un bon moment de communion, hein, parce que la Pâque aussi c'était un moment de communion, hein, avec ses voisins, avec ses frères autour, et on fêtera une Pâque en dehors des jours de Pâques. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc cette émission prend fin, hein, heureux de l'avoir fait ce soir. Donc bien-aimés du Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Parole de Vie, Vie et Lumière, et à notre page Facebook Parole de Vie. N'oubliez pas, donc aujourd'hui, nous avons aussi créé un compte Instagram, nous avons aussi créé un compte TikTok pour l'émission, afin qu'un plus grand nombre puisse bien écouter. C'est vrai, les réseaux sociaux, alors, je vous le dis, entre guillemets, si c'est utilisé à bon escient, béni soit Dieu. Alors, continuez à les utiliser à bon escient. Hein, et pour les parents qui ont des enfants, toujours de contrôler eh bien, ce que nos enfants regardent à travers d'Internet. Et par contre, quand il s'agit de la parole de Dieu, bien au contraire, installez-la avec vous devant votre téléviseur ou devant votre ordinateur ou devant votre téléphone, peu importe. Mais laissez-les écouter la parole du Seigneur. Alors, je vous dis à très bientôt. Bien-aimés du Seigneur et abonnés du YouTube, abonnés du Facebook et auditeurs que vous écoutez, Christophe, David, à très prochainement. Que Dieu vous bénisse à tous et à très bientôt.